Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous allons parler la vérité sur le pénalty. La vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le pénalty. Tout est parti d'un pénalty plus ou moins bien mal tiré. Puis chacune des parties a estimé avoir raison. Pour certains, le pénalty a été bien tiré et bien cadré. Pour ne pas dire bien anglais. Les autres disent que le tireur de pénalty a plutôt lancé le pied au lieu de botter le ballon. L'affaire de contentieux du football, là. C'est vraiment très compliqué. Certains spectateurs disent qu'ils ont vu le tir partir, mais ils n'ont pas vu le ballon atterrir dans les filets. Un voisin du stade où a été tiré le pénalty dit qu'il a entendu un tir partir, mais le tir est tombé dans son avocatier et a fait tomber beaucoup d'avocats. Ce qui lui a fait perdre tous les avocats non mûrs et les avocats tendres de son avocatier. Conclusion, ce voisin estime que puisqu'on a gâté tous ses avocats beurre, le tireur de pénalty doit lui payer une amende. Le tireur, quant à lui, reconnaît qu'il a tiré un boulet. Le ballon est passé à droite et le gardien s'est couché à gauche. Demandez-moi alors ce que le gardien de but lui-même a dit. Ben écoutez, j'étais dans l'école. Le ballon a été irrecevable, car très violent. Mais j'ai réussi à le rejeter dans la forme, mais pas au fond des filets. Conclusion, il n'y a pas eu but. Quelles sont les conclusions de l'arbitre central? L'arbitre central dit que le tireur a tiré avant que l'arbitre ne siffle qu'il tire. Il dit aussi qu'avant que le tir ne soit tiré, le gardien avait bougé. Et le gardien s'est même étiré. L'arbitre signale enfin qu'en football, quand on dit de faire un tir, le tir doit être amical. Il ne doit pas être un boulet. L'arbitre ajoute aussi que le tireur a tchouqué le ballon, ce qui n'est pas du tout réglementaire. Raison pour laquelle le pénalty a été invalidé. Une décision qui a été confirmée par la Fédération constitutionnelle de football qui donne raison à l'arbitre en précisant qu'en termes de pénalty, il y a une grande différence entre tchouquer et tirer. Et voici la position définitive de la Fédération constitutionnelle de football. Comme le football, c'est le fair play, le président de la Fédération constitutionnelle de football a prié le tireur des pénaltys et le gardien de but de se saluer et de s'embrasser sportivement et chaleureusement en considérant que le match qui les a opposés était un simple match amical, un match de tolérance, un match de pardon, un match de bonne compréhension et surtout un match de paix, à l'issue duquel ils seront toujours appelés à collaborer, à vivre ensemble, à travailler ensemble et surtout à partager désormais ensemble en tant que homme du match. Homme au pluriel, oui, homme au pluriel.